Le 12 septembre 2009, il y a eu des errances rénaliennes. Regardez ça avec moi. Et vous êtes curieux. Je vous aime comme ça. La curiosité, c'est un signe d'intelligence. Peut-être 3 semaines, peut-être 1 mois, on verra. Je vais pas encore demander, là, mais il va dire oui, regarde, je vais me mettre à genoux. Là. Hey, mon émission, personne l'écoute. Monsieur Fortin, aidez-moi, je suis dans la banqueroute. Je dois déjà 250 millions de dollars à Fécoyel. Bon, je vais faire ta radio, là, ta putain d'émission de radio. Là. Il parle pas comme ça, il parle mieux que ça. Fait que là, c'est ça, là, aussi là, je parle fort. Mais, ouais! Oui, mais là, mon émission, là, demain, là, ça se termine, puis là, il n'y a personne, là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais! Puis là, tout le monde s'est retourné, ouais, ouais! On s'est rendu compte qu'un cellulaire, là, faut pas parler fort. C'est comme, c'est pas comme les téléphones au 19e siècle. Avec... Ah, bonjour, vous m'entendez? Je veux avoir le 35 47 58. On vous met en communication. Ah, d'accord. Monsieur Fortin! Oui, allô? Oh, excusez-moi, c'est vous qui deviez dire allô avant. Mais je vais dire allô avant! Allô avant! Monsieur Fortin! Oui, c'est Carvel! Oui! Monsieur Fortin! C'est Réal Goyer, les races canadiennes! Tout le bus le sait, ils m'applaudissent! Et les autres! Il est un connard comme les autres! Monsieur Fortin! Je voulais pas vous dire que j'utilise mon cellulaire la première fois, depuis la première fois. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a comme de la friture. Ben, c'est pas de la friture, je gueule trop. C'est ça. Alors donc, il faut faire attention. Lorsqu'on a un cellulaire, faut pas parler trop fort. Il faut se ménager la voix, comme moi. Là. Alors, le clin d'œil. Le clin d'œil, c'est une autre histoire, une autre aventure extraordinaire qui m'est arrivée. Et j'ai combien de temps pour la raconter? Oh mon Dieu Seigneur, que 2 minutes. Une minute, une minute! La minute du peuple! Alors, brièvement,